Fidèle abonné, bonjour. Merci de me retrouver ici à Bametra, Cameroun. Je suis le docteur Jouyard, phytothérapeute, docteur traditionnel et diplômé en santé de reproduction. Alors, aujourd'hui, nous allons écouter ensemble un appel téléphonique que j'ai enregistré. Une conversation entre un monsieur et moi, un ancien patient. Il m'avait contacté pour un problème de varicocèle. Surtout, ce qui l'embêtait, c'était la douleur testiculaire. Je me souviens, il me disait, docteur, si cette douleur pouvait au moins s'arrêter, on verrait le problème de procréation après. Ce monsieur, il avait une maladie, mais il ne me l'avait pas dit. Parfois, c'est de peur d'augmenter la facture. D'accord, il souffrait d'hépatite C, mais ce n'était pas ça son problème, l'hépatite C. C'était la douleur testiculaire. Il avait mal aux testicules depuis environ 5 ans. Il m'a contacté, on a discuté, j'ai envoyé le remède du côté de la France. Alors, après 3 mois, il m'a appelé, écoutez notre conversation. Alors, je lui demandais d'aller faire une échographie pour qu'on vérifie si tout va bien. Il me disait, non, non, docteur, vraiment, ça va. Une maladie, j'ai souffert depuis 5 ans. Il suffisait même seulement de consommer des huiles raffinées et la douleur déclenchait. Docteur, je vous fais encore comment on dit ça? Une confidence. J'avais même l'hépatite C et un remède là que vous avez mis dans mon colis. C'était pourquoi je veux ce remède. Ah bon? Oui, ce remède m'a beaucoup aidé. J'avais l'hépatite C. J'aimerais avoir encore ce remède, même 1 kg, 2 kg. J'ai compris. Alors ça, il veut être déjà un autre docteur là-bas en France, donner ce remède noir aux personnes qui ont des soucis d'hépatite. Oui, c'est bien, on peut faire ce business, c'est très bien. Le remède noir aide beaucoup pour traîner les toxines, la saleté, à partir de la bouche, en passant par le foie, l'estomac, l'intestin grêle, le co-intestin, jusqu'au côlon là-bas, les histoires d'hémorroïdes, colopathie fonctionnelle, tout ça, ça aide. Alors, je ne vais pas être long, je vous laisse soigneusement écouter ma conversation avec ce monsieur et je vous reviens. Donc vous dites que pour la douleur, les douleurs testiculaires, ça va mieux. Non, ça va, mais parce que même avant même les huiles, comment, les huiles raffinées là, Oui. je n'osais même pas manger les huiles raffinées. Parce D'accord. que avant c'était l'huile seulement, l'huile d'olive que je Oui. consommais, quoi. Parce qu'avec l'huile d'olive, je ne ressentais pas de douleur. Mais Oui. à partir du moment que je commençais à utiliser Les les huiles huiles raffinées, raffinées là, oui. voilà, je commence à ressentir des Des douleurs. douleurs testiculaires. Hein? Voilà, vraiment. Et maintenant, je peux dire, des fois, je modère dans la consommation, mais, alhamdoulilah, je veux dire que je ne ressens pas. Hein? D'accord. Alhamdoulilah. C'est déjà une très bonne Voilà, c'est chose. ça. Et Voilà. le fait d'aller uriner tout le temps, vous dites que ça aussi c'est bon. Non, ça aussi non, parce que des fois même je peux boire avant, même si je buvais un peu d'eau, Oui. je partais même à la douche 5, 6, 7 Tu vois? d'ici le matin. Voilà. Mais maintenant, des fois je peux boire, je peux même 1 litre d'eau la Voilà. nuit. Oui. C'est par hasard que je vais une fois. C'est seulement jusqu'à le matin, je ne vais même pas à la douche. Voilà. Donc Voilà. c'est déjà bien comme ça. Oui, C'est oui. déjà la santé. Maintenant, à la fin Oui. de tout le remède, tout le traitement, il faut déjà Oui. faire une échographie de contrôle pour se rassurer que bon, les douleurs, les symptômes sont partis. Je n'épuise plus beaucoup, tout va mieux, les signes et symptômes sont finis. Quel est l'état de mes Oui. organes? Maintenant, vous faites l'échographie. En fonction de ce qu'on verra, on saura ce qu'il y a lieu de faire. Il faut toujours se soigner. Il ne faut pas rester là, dire, on a dit il faut opérer, je suis dépassé, aller à gauche, à droite. Non. Il faut toujours prendre les traitements. Non, même le traitement là, je vais le refaire aussi, non? Je vais attendre d'abord. Oui. Après, pendant 5 mois, je vais même refaire le traitement aussi. D'accord, c'est une bonne chose. Voilà, Ok. je vais refaire le traitement. Parce Oui. que
Ce n'est pas parce que je l'ai fait une fois que je ne dois pas le faire. D'accord. Voilà, c'est plus de plus renforcer aussi. Voilà, renforcer. Parce voilà. Que le mal, parfois le traitement fini, le mal a tendance à revenir. D'accord. Voilà. Voilà, donc c'est... Même comme vous m'avez dit là, pour l'échographie. Oui. Bon, c'est pas parce que je veux vous contredire, mais je sais que je reprends ma santé. Voilà. Non, vraiment. Parce que bah, la maladie, là, m'a fatigué. Oui. Plus de 5 ans. Voilà. 5 ans, 6 ans. Tu vois, 5 ans, 6 ans. Voilà, 5 ans, 6 ans. Et si quelque chose change, quand même aller faire une visite, ça peut se comprendre vraiment, ah, tu reprends ta santé. Voilà. Voilà, parce que moi-même, je sens que, ouais, l'unique chose maintenant qui reste, c'est la venue des testicules, mais je sais aussi, ça va revenir, parce que les nerfs sont libérés. Oui. Qui peut alimenter les testicules. Voilà. C'est important. Voilà. C'est important parce qu'il y a des gens, si tu ne parles pas comme ça, ils ne vont pas savoir. Ils sont là dans les livres des Blancs, il faut faire embolisation, il faut faire ci. Et ils passent leur temps, ils perdent beaucoup de temps sans se soigner. Ils savent pas qu'on a beaucoup de médicaments ici. Non. Moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. Si vous voyez que je veux plus encore la poudre noire là. Oui. Parce que moi, au moment que j'ai acheté votre médicament là, j'avais l'hépatite. Ah, l'hépatite. L'hépatite. Oui. C'était même jusqu'à C. Ah, ça. Oui, c'était jusqu'à C. Mm-hmm, hépatite C. J'ai même envoyé j'ai appelé au pays là-bas, ils m'ont envoyé des remèdes. Mais ouais. j'ai pris, ça n'allait pas. Ouais. À partir du moment que j'ai commencé à boire le produit. Oui. Non, vraiment, j'ai directement ressenti vraiment, ouais. Oui, oui. La santé. La santé, oui, oui. Voilà, c'est pour cela, le produit vraiment, même si c'est pas une chose, mais... Puis de continuer à utiliser le produit, c'est voilà. Vraiment bon. C'est important. Ouais, ça m'a purifié même. Oui, effectivement, c'est le rôle de ce remède noir-là. C'est pour purifier le sang, pour drainer le sang. Parce que parfois, il y a beaucoup de toxines dans le corps qui nous donnent beaucoup de maladies. Par exemple, les hépatites-là. Si tu as bu beaucoup, beaucoup de comprimés, ça peut te donner hépatite. Oui. D'accord. Tu as bu l'alcool, tu peux travailler dans un endroit, les fumées, les odeurs, ça te donne l'hépatite. Donc voilà pourquoi je mets toujours le remède noir là dans le colis. Malheureusement, il y a les gens qui fuient ça parce que c'est amer. Non, moi c'est quelque chose que j'ai pas vraiment, c'est amer, mais j'ai vu l'importance du produit, vraiment. Voilà. J'ai vu l'importance du produit, vraiment. Comme cela, je veux, même c'est 1 kilo, non, 2 kilos. Oui. Voilà, 2 kilos de ce produit. D'accord. Et je vais voir, voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Apparemment, vous êtes en train de travailler. Je vais vous laisser travailler. Moi aussi, je vais...